ceux qui sont statués, un nouveau parcours administratif commence. Lourds de leur passé, ils vivent ici de nouveaux traumatismes qui viennent s'ajouter et aggraver leurs problématiques. C'est donc le travail auprès de ce public que je souhaiterais évoquer aujourd'hui ici, car il oblige à inventer sans cesse dans les prises en charge pour permettre la rencontre avec le sujet. Il s'agit de patients bien souvent en demande de soins, d'aide, d'écoute. Ce sont des prises en charge qui consistent souvent en un accueil de leur personne, de leur histoire, leur offrir un espace où leur parole n'est pas remise en question, un lieu où leur souffrance peut être dite, sans pour autant que leur histoire soit de nouveau racontée. Un accompagnement. La rencontre avec ces sujets, leur histoire, leur parcours, nous amène parfois à travailler à la limite du cadre institutionnel, à inventer sans cesse pour aller justement à leur rencontre. Je fais quelques petits exemples cliniques très courts. Monsieur C. Monsieur C est venu de Guinée-Conakry il y a environ 7 ans, seul. Il a laissé sa femme et ses enfants au pays. Il a vécu un voyage vers la France qui s'est avéré très compliqué, durant lequel il a failli mourir en traversant un désert. Il est débouté de toutes ses demandes d'asile en France et d'une demande étranger malade. Il est sans papier, sans statut et ne doit une place en CHRS qu'à la machine qui lui permet de soulager ses apnées du sommeil. Autrement, il dormirait à la rue. Il est triste, solitaire, parmi les autres résidents, ne fait pas de bruit. Il est sans demande. Il évoque son histoire par bribes. Il parle surtout de son quotidien et de ses ennuis somatiques. Il est préoccupé par sa situation actuelle, l'absence de papier, le fait de ne pas pouvoir travailler et l'ennui de ses journées longues où il ne fait rien, ses problèmes au niveau de sa famille avec qui il est toujours en contact et ses problèmes somatiques. Il a cependant un hobby, quelque chose qui l'occupe et l'amuse, il aime faire des mots mêlés. Je m'en suis rendu compte en allant chercher un jour en salle d'attente et en patientant, il remplissait la grille d'un journal qui était posé là. On en a parlé ensemble au cours de l'entretien et il m'a expliqué que sans revenu, il n'a pas les moyens de s'acheter des grilles. Je me charge donc de les lui fournir et très régulièrement au cours de nos entretiens se pose la question de savoir s'il lui reste des grilles dans son magazine ou s'il me faut en ramener un nouveau. Il m'est arrivé d'oublier de ramener un magazine de mots mêlés et dans ces cas-là, il en parle à Sandrine qui me rappelle à l'ordre. Ce geste, ramener ses magazines, me fait sortir du cadre strict de l'entretien, mais il permet un moment de répit pour ce patient, dans l'entretien lui-même d'abord, parce que quand la question se pose, ça fait toujours naître un sourire chez ce monsieur. Un moment de bien-être qu'il a comme ça, un moment de plaisir, à l'extérieur aussi, et un moment où il peut ne pas penser, un moment où il peut penser à autre chose, ce qui est déjà pas mal. Pardon. Ça permet aussi, au cours de l'entretien, de pouvoir dire, de déposer ce qui ne va pas. Ça permet enfin un lien avec l'équipe Respire, qui devient du coup un lieu de soins, une équipe pour laquelle il compte, au-delà simplement du soin psychiatrique, une équipe pour laquelle il compte en tant qu'humain, en tant qu'être humain, en tant que personne, et plus seulement en tant que patient. Il est important. Il devient important, y compris lorsqu'on ne le voit pas, c'est-à-dire quand il est dans nos locaux, mais aussi quand il est à l'extérieur, quand il mène sa vie dehors. Actuellement, ce monsieur a déposé une nouvelle demande d'étranger malade. Une réponse négative de la part de l'OFI ferait naître chez nous, l'équipe, la crainte qu'il se laisse mourir. Croisez-vous. Madame P. Un autre cas. Madame P, elle, est originaire du Congo-Brazzaville. Cela fait peu de temps qu'on se rencontre, mais un autre rituel est né de nos entretiens. Je ne connais pas toute l'histoire de Madame P et ne lui ai jamais demandé de la raconter. Elle m'a été adressée suite à la révélation de sa séropositivité contractée suite à un viol subi dans son pays. Elle a fui son pays, ne sachant pas si son mari, qui a été arrêté, est toujours vivant. Elle a laissé ses enfants au pays et depuis son arrivée en France, elle n'a plus de nouvelles d'eux. L'annonce de sa maladie a eu un effet de sidération chez elle. Lors de notre premier entretien, elle est assise face à moi et pleure sans un mot. Grâce à une prise en charge pluridisciplinaire, elle va rencontrer le psychiatre qui mettra en place un traitement. Elle est suivie par l'équipe infirmière. Elle a un hébergement qui lui permet de faire des rencontres avec les autres résidentes de son lieu de vie. Les choses se sont doucement apaisées pour elle. Lors de notre deuxième rencontre, lorsque je lui demande comment elle occupe ses journées,
elle me sort des coloriages. Elle explique aimer cette activité car cela lui permet à nouveau de ne pas penser. Il y a quelque chose d'assez régressif là-dedans, ça lui permet de ne pas penser et de ne pas être envahie par son vécu d'angoisse et le vécu de la maladie, lorsqu'elle se retrouve seule surtout. Je lui propose de choisir ensemble des dessins sur Internet et de les imprimer. Lorsqu'un dessin apparaît sur deux feuilles, elle cherche des solutions soigneusement pour pouvoir les recoller ensemble. Elle range tous ses dessins dans une pochette qu'elle ramène aux entretiens suivants pour me montrer à chaque fois ce qu'elle a colorié, ce qu'elle a fait, fière d'elle. Cet échange, ça m'a permis de libérer la parole. Elle présente quelque chose dont elle est satisfaite et fière. Et cela lui permet ensuite de parler d'autres choses, les problèmes de sa maladie, les enfants qui lui manquent, le vécu du froid ici en France, les difficultés de changement de foyer, enfin voilà. Aujourd'hui, ce petit rituel s'avère de moins en moins nécessaire lors de nos entretiens. Enfin, je vais évoquer le cas de Madame B. Madame B est originaire du Pakistan. Elle a suivi son mari qui a dû fuir son pays après avoir été persécuté par les talibans. Elle a laissé au pays ses deux fils et n'a pu emmener avec elle que sa petite fille alors qu'elle était enceinte de son quatrième enfant. Le parcours de Madame est assez compliqué. Son mari et elle ont déjà fait une première demande d'asile en Suède. Ils ont été, leurs démarches ont duré 2 ans et se sont soldées par un échec. C'est comme ça qu'ils arrivent en France pour réitérer leur demande d'asile. Madame vit extrêmement mal la séparation avec ses fils, dont elle a idée qu'elle les a laissés tomber. Nos entretiens se déroulent en la présence de cette dernière petite fille qui est née en Suède. Et la rencontre avec cette patiente n'est possible qu'à cette condition, ce qui est cette petite fille dans la pièce. Sauf que cette petite fille de 2 ans et demi ne supporte pas les portes fermées. Donc nous faisons les entretiens portes ouvertes avec cette petite fille qui fait des allers et retours. Et je rajoute que madame est anglophone, donc j'essaye de faire l'entretien en anglais. Mais c'est la condition de la rencontre avec cette patiente. Donc, porte ouverte, petite fille, et en anglais. Voici quelques exemples de cette clinique, de cette pratique au quotidien, auprès des migrants, auprès du patient qu'on reçoit à Respire. C'est une pratique qui nous oblige à inventer, à jouer avec les limites du cadre dans lequel on intervient. Ça empêche une prise en charge protocolisée. On s'adapte à la singularité de chacun, de chaque patient. Chacun est accueilli comme il est, avec son histoire, son parcours et ses problématiques. Les différents aménagements du cadre offrent les conditions d'une possible rencontre. Qu'ils soient SDF, précaires, migrants, avec ou sans statut, on procède pas à pas, on tisse un lien, une relation de confiance, on accueille sans idée de faire plus qu'accueillir leurs paroles et leurs souffrances. Alors une autre expérience qu'on a nommée un bureau insolite ou le bureau du cœur. Afin d'être au plus proche de ce public, nous avons mis en place un partenariat avec les restaurants du cœur, où l'on trouve ce public qui cloche, clochard, jeune ou moins jeune, en errance, demandeur d'asile. Chacun est là pour partager un repas, rechercher du réconfort, un lieu d'accueil pour pouvoir se poser ne serait-ce que quelques minutes. Chacun y vient en toute discrétion afin de répondre déjà à un besoin vital, se nourrir. Il nous a semblé intéressant de partager les repas avec eux, de manger périmé, et de se fondre dans leur rituel en toute discrétion. Notre objectif est avant tout d'établir un lien, une rencontre, sans pour autant mettre en avant notre statut professionnel à notre arrivée. Nous avons fait le choix de venir une fois par semaine à deux, un travailleur social et une infirmière, afin de croiser nos observations et de permettre une accroche dans ces deux domaines, le social et le soin. Pour imaginer un petit peu le restaurant du cœur, le lieu d'accueil est divisé en deux salles. La première est souvent occupée par des personnes en errance, précaires, des familles, et la salle du fond est plutôt occupée par des personnes d'origine étrangère. Nous pouvons entendre d'ailleurs divers dialectes. Les personnes se retrouvent suivant leurs origines autour de la même table. Certains ont des discussions très animées autour de divers sujets de la vie, tandis que d'autres semblent absents, s'isolant pour éviter tout contact et ne touchant presque pas à leur assiette. Un jeudi, nous étions avec Vivien. Nous nous sommes installés dans la deuxième salle, auprès donc des personnes d'origine étrangère, à une table de 4 en face de 2 personnes. Et très rapidement, ils ont fini très très vite leur repas et sont partis sur la table derrière, nous laissant tous les deux côte à côte, sans personne devant nous. Donc, nous saluons quand même ceux que nous connaissons, et notamment Yves, que nous avions rencontré il y a quelques mois dans ce même lieu. Nous lui avons permis d'ailleurs un accès aux soins et à diverses démarches sociales à un moment où il était en grande souffrance. Et à ce moment-là, il allait beaucoup mieux.
Et en fait, il nous a présenté en tant qu'infirmière et assistant social à toutes les personnes qui étaient dans la salle. Puis il a invité ses compatriotes à venir un à un autour de la table, où chacun est venu pour nous solliciter un rendez-vous, pour faire connaissance avec nous. Donc bien sûr, nous leur avons donné des rendez-vous dans les locaux de Respire pour que ce soit plus confidentiel. Donc en fait, ils ont reproduit une sorte de bureau en fait, au niveau des restaurants du cœur. Voilà, Valérie va nous parler aussi de sa situation. Oui, je voulais vous parler de Monsieur T. J'ai appelé pour illustrer le cas donc de l'inintelligible au chant. Quand j'accueille Monsieur T la première fois, en début d'année 2016, il est déjà connu des professionnels de la PASS généraliste, celle-ci. Donc la PASS généraliste donne accès à des consultations de médecine générale ou spécialisées pour des personnes ayant besoin de soins mais ayant du mal à y accéder du fait de l'absence de protection sociale et de leurs conditions de vie. Monsieur T consulte pour des céphalées douloureuses qu'il relie à un coup violent reçu à la tête, des douleurs de dos et dentaires. L'infirmière s'étonne du refus de Monsieur T d'effectuer un nouveau prélèvement sanguin dans le cadre du suivi de l'hépatite B. Le patient estime qu'il lui a donné suffisamment de son sang. Auprès d'elle, il se plaint d'un manque d'argent, de moyens de subsistance. L'infirmière me l'adresse. Mandjak, originaire de Guinée-Bissau, il parle le créole portugais, la langue nationale. L'infirmière dit que Monsieur T maîtrise peu la langue française, d'où une difficulté à le comprendre. Par sa présentation, il est visiblement indigent. Il présente sa situation sociale et administrative et je comprends qu'il sollicite mon aide pour obtenir la reprise du versement de l'ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile, auquel la majorité des demandeurs d'asile peuvent prétendre. Homme, célibataire, Monsieur T ne bénéficie pas d'un hébergement en CADA, en centre d'accueil de demandeurs d'asile, car non prioritaire. Il doit donc trouver par lui-même une solution d'hébergement. Il me dit avoir sollicité le 115, mais aucun hébergement, même ponctuel, ne lui a été proposé à ce jour. Cependant, il a trouvé des connaissances qu'il héberge occasionnellement à Orléans, à Chartres, en région parisienne. Souvent contre une participation financière. Pour circuler, sans moyens, parfois il fraude. Le reste du temps, il vit et dort à la rue. Il explique l'absence de l'allocation ADA par sa difficulté à se faire comprendre de l'autre. Son accent très marqué demande à son interlocuteur une attention toute particulière. Aussi, il s'étonne favorablement de mes efforts et lance « D'habitude, les autres ne prennent pas le temps ». Je lui propose d'utiliser les mots des langues à sa disposition. Une sorte d'espéranto s'élabore, teinté de français, d'espagnol, de créole portugais et d'un peu d'arabe. Cette langue permet une mise en circulation de la parole, puis peu à peu, le tissage d'un transfert. C'est au rythme de nos rencontres que quelque chose se fixe à la passe, un repère. Le récit de la demande d'asile qu'il a adressée à l'OFPRA, donc l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il en a perdu la copie. Il le décrit comme imprécis, traduit rapidement du portugais par une connaissance. Pourtant, c'est en partie à partir des éléments de ce récit que vont se décider l'obtention ou le refus d'asile. Aussi, c'est en lui faisant la proposition d'un travail de traduction de ce récit qu'il consent à recourir à l'assistance d'un interprète. Ceci pour lui permettre de coucher par écrit une partie de son histoire, d'en conserver la trace. Il accepte mon offre, mais manifeste des réticences, sans que je ne m'explique pourquoi. Je lui dis connaître personnellement cet interprète en qui j'ai confiance. Dans son récit, j'apprends qu'il a été militaire et l'interprète Wolof créole d'un prisonnier, chef d'une milice rebelle de Casamance. Être soldat, c'est ce qu'il connaît depuis l'âge de 15 ans. D'ailleurs, il va me demander s'il lui est possible en France de s'engager dans la Légion étrangère. Je lui réponds que cet engagement ne garantira en rien l'attribution d'un droit au séjour en France au sortir de la Légion. Je l'invite à poursuivre la demande d'asile qu'il a déjà engagée. Monsieur T a introduit sa demande d'asile en août 2015, mais l'examen de sa demande d'asile connaît un parcours inattendu. Dans un premier temps, elle est rejetée, sans que Monsieur T ait été reçu en entretien par l'OFPRA.
Il est alors sans papier et sous le coup d'une obligation à quitter le territoire français. Puis avec l'assistance d'un avocat, il dépose un recours et il obtient le droit de poursuivre sa demande d'asile. À ce jour, il attend toujours d'être convoqué à l'OFPRA. 2015. Les nombreux déboires rencontrés par M. T au cours de sa demande d'asile l'interrogent. Qu'ai-je fait de mal ? Il dit avoir souvent eu des pressentiments, cela depuis l'enfance. Pressentiments, selon lui, toujours confirmés. Mais c'est avec une certaine perplexité qu'il me dit avoir entendu une voix féminine lui dire « Si tu restes ici, tu vas devenir fou ». Il me précise « Ça n'était pas une hallucination ». Il élabore une explication à propos de l'adversité qu'il rencontre au quotidien. C'est l'expression de la puissance de la magie Manjak. C'est aussi pour faire face à ces attaques qu'il a trouvé une réponse, en tout cas dans la foi chrétienne évangéliste, au moyen de la prière et du jeûne, principalement. Il se soutient de la lecture de la Bible, livre qui ne le quitte pas. C'est au sein d'ailleurs de cette église évangéliste qu'il soulage son stress, s'allège de la charge de ses pensées négatives et peut même nouer un lien social. Face aux aléas de son parcours de demandeur d'asile qui l'amène à changer de statut, tantôt demandeur d'asile, tantôt sans papier, la passe reste un point fixe sur lequel il vient s'arrimer. Depuis peu, il s'est sevré de sa consommation d'alcool. Il souhaite obtenir une aide pour trouver le sommeil et tenter de réduire le trop de ses pensées. Il consent à rencontrer le docteur Perra. À présent, une autre conversation commence avec le médecin. Dans le même temps, il veut étudier la théologie. L'apprentissage de la langue française prend toute sa place dans ce projet. Il me demande de l'aide pour trouver un lieu d'apprentissage à proximité de l'endroit où il vit actuellement. À la deuxième consultation, il a confié au docteur Perra les deux supports actuels de sa vie. D'un côté, une Bible, et de l'autre, un cahier couvert de chansons qu'il écrit et qu'il chante à ce médecin qui demande à l'entendre. Pour terminer, une rencontre itinérante. Nous suivons depuis plusieurs années Michael, un homme de 42 ans qui est en errance. Nous essayons de l'amener vers le soin, tant psychiatrique que somatique. Il avait accepté un rendez-vous avec un psychiatre à condition que l'on y accompagne. Ce monsieur est désorienté dans le temps et dans l'espace, et du coup nous devions aller à sa rencontre pour pouvoir l'emmener à ce rendez-vous. Mais ce jour-là, nous partons avec Vivien, personne dans le conteneur qu'il habite auprès des magasins qu'il habite. Nous croisons un de ses amis de rue qui nous dit « Michael ne va vraiment pas bien, il est actuellement dans une tente près du magasin Décathlon ». Nous partons donc à sa recherche avec la voiture de service. J'espère qu'il n'y aura personne du garage parce que nous quittons les routes goudronnées pour ne pas courir le chemin cabossé derrière Décathlon. Nous croisons un monsieur dans une tente qui nous dit « Vous allez le trouver chez les gitans un peu plus loin ». Donc nous continuons notre route et nous arrivons dans un camp aménagé pour les gitans. Nous demandons s'ils connaissent Michael en nous présentant moi en tant qu'infirmière et Vivien en tant qu'assistante sociale. Ils nous disent non, qu'ils ne l'avaient pas vu. Une partie de la communauté vient autour de nous. Et le mot assistante sociale avait beaucoup plus de succès que moi infirmière, qui sont vécues souvent comme des sorcières. Rapidement, une famille nous invite dans sa caravane afin d'évoquer leurs difficultés sociales et demander de l'aide. Aucun ne savait lire ni écrire. Du coup, on s'est retrouvés dans la caravane, enfermés, à clé, pour pas que les autres viennent perturber un peu l'entretien. Nous les avons rencontrés à plusieurs reprises et ils nous ont mis en lien avec la famille d'à côté en nous décrivant un monsieur qui s'appelle Noël, qui est violent, en souffrance, avec des troubles du comportement, afin d'entrer en relation avec lui. Depuis, Noël vient régulièrement depuis plusieurs années. Il nous dépose ses angoisses, son mal-être. Il voit parfois le docteur Perra qui l'écoute, lui conseille de prendre des traitements. Mais jusque-là, ça fait peut-être 15 jours qu'il a enfin accepté de prendre le traitement. Il n'a aucun repère dans le temps, il n'est pas habitué à honorer les rendez-vous. Il vient vraiment de façon spontanée, il vit en dehors des normes sociales, mais il sait que sa parole va être entendue quand il en a besoin. Il a retenu « Sandrine m'a dit de venir quand je ne peux pas aborder les choses », et c'est ce qu'il fait. En conclusion un petit peu de tout cela, une fois que la rencontre se fait, il faut trouver rapidement une accroche afin d'établir une relation de confiance avant de parler de soins. Parfois, il faut passer par des discussions autour de ce qui les anime, comme le football. Depuis, je suis obligée de m'informer sur tous les matchs importants. Les animaux sont également un bon médiateur pour les liens. Merci.
merci à tous et toutes. Hein. On voit bien comment ce travail comporte de bricolage, au fond, qu'il faut absolument faire pour accepter un peu les propres inventions du sujet. On voit bien que c'est passé, ces inventions, pour rentrer dans le lien, dans la relation, ça passe par le corps, hein, le somatique, ça passe par les mots fléchés, ça passe par le coloriage, etc. Et ça, il faut l'accepter. Aller dans des caravanes, etc., c'est vrai que on sort un peu de la mission classique des infirmières. Voilà. Merci en tout cas. On va proposer une première intervention en salle. On va se donner, histoire de border un peu le timing, parce qu'on arrive sur l'heure du déjeuner, on va se donner 5 minutes encore pour pouvoir échanger ensemble, et puis on se donnera les petites consignes avant de partir déjeuner. Moi j'ai une seule question, c'est à propos justement de notamment la patiente dont Vivien faisait cas tout à l'heure, c'est-à-dire cette dame qui est parentaise, qui est peut-être délirante, enfin probablement avec un gros problème de personnalité comme ça en tout cas. Ma question, c'est la question éthique. Et cette question-là, elle se pose dans toutes les EMPP, vraiment très souvent. Je pense que les psychiatres ici présents à ma droite, l'un comme l'autre, seront d'accord avec ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui saute dessus et on l'hospitalise? Et puis, alors là, quid de la rencontre, etc. Qu'est-ce que ça devient? Ou alors, est-ce qu'on laisse les choses se faire? Et puis, on verra bien aussi comment ça, quelle tournure ça prendra par la suite, en espérant qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui permettra une hospitalisation dans des conditions non contraintes. Mais pour moi, c'est une question très actuelle, parce que sur l'équipe mobile de Rouen, il y a une tendance comme ça qui vient, qui n'était pas du tout existante dans le passé, qui serait justement, pourquoi on va s'ennuyer à attendre des années? Alors que peut-être si on intervient tout de suite, les choses, disons le cours de la vie de la personne en question pourrait prendre un autre tour. Quoi. Voilà. C'est ma question, puis après moi je m'en vais. Bonne journée à tout le monde. Dans le cas de cette patiente, ça a été tenté ce truc-là. On lui saute dessus et on l'hospitalise. C'est ce qui a été tenté par les psychiatres de liaison aux urgences et elle s'est sauvée. On peut toujours. Il y a toujours un peut-être. Est-ce que si elle était hospitalisée, ça se passerait mieux ou pas? Bon, elle a fui. Elle a fui, et si on continue, elle va continuer à fuir. Il faut bien qu'elle ait un lieu, un point de repère, où on sait qu'elle va continuer à venir, j'espère qu'elle continuera, hein, mais où en y allant petit à petit, dans son cas, il y aura peut-être plus de chances que ça fonctionne. On sait bien que les hospitalisations durent jamais très longtemps, que ce soit à Évreux ou ailleurs. Donc effectivement, une patiente, on la traite. Si elle reste 3-4 jours hospitalisée, elle ressort. C'est tout le lien de confiance qui a pu être essayé d'être mis en place qui est cassé. Donc je pense qu'il vaut mieux, à la limite, prendre le temps et puis faire ça peut-être sur l'extérieur, donner un traitement sur l'extérieur. C'est ce qui d'ailleurs a... J'ai tenté de faire, c'est au bout de plusieurs entretiens où j'ai commencé à aborder la problématique du traitement, et là tout de suite elle a fui parce que justement il y avait le traitement qui avait été prononcé. Quoi. Mais, excusez-moi, la question que vous posez, c'est aussi celle de la non-assistance à personne en danger. Comment on évalue que la personne se met en danger? Qu'est-ce qu'on respecte? Est-ce que le fait d'être délirant, est-ce que, enfin j'ai envie de dire, enfin, par rapport au public que reçoit les EMPP, enfin, les gens sont en danger dans la rue. Mais dans la rue, on est en danger. Pas toujours, mais enfin, on est bien d'accord, vous êtes confrontés à ce public-là. Et à un moment, je pense qu'il y a besoin d'y réfléchir ensemble, que ce ne peut pas être la décision d'un professionnel seul. Voilà. Alors, si vous avez une réponse à apporter, je veux bien qu'on en profite tous, du coup, parce que ça... Je me permets, si on peut passer le micro, puis ensuite on passera... Mais si c'est une question éthique, c'est un dilemme. C'est-à-dire, oui ou non, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on fait ça, ou non, on ne fait pas ça. Avec une argumentation derrière. Alors, le risque à la rue, oui, des fois, il y en a. C'est-à-dire, il y a des vraies urgences. On ne va pas laisser délirer quelqu'un qui est en train de marcher sur le parapet d'un pont. Parce que voilà, qui que soit la personne, SDF ou pas SDF, il y a des moments où la contrainte, elle est nécessaire, point. Par contre, c'est quand ça se discute que c'est problématique, quelque part. Et ça se discute assez souvent.
précisément. Après, le danger, est-ce que quelqu'un qui est dans un syndrome de Diogène à la rue, comme le monsieur ou la dame qui est sous les cartons devant Pompidou, selon la diapo d'Alain tout à l'heure, est-ce qu'il faut lui sauter dessus ? C'est une personne, peut-être qui est Diogène, peut-être qui est en train de délirer à plein tube, peut-être qui a désormais ce type de vie. C'est une vie exposée, peut-être qu'on va lui casser la figure ce soir, etc. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une urgence ? Est-ce qu'il y a une urgence qui serait en mesure de justifier le fait qu'on va tout de suite lui sauter dessus ? Mais est-ce qu'il y a suffisamment d'instances pour pouvoir discuter et échanger de ce type ? Ouais, c'est, bah, et souvent, ceux qui le décident ne prennent pas forcément le temps. Et parfois aussi, si je peux me permettre, c'est que parfois aussi, par rapport à la culture de la personne, déjà une hospitalisation sous contrainte, c'est toujours traumatisant, et parfois ça peut rajouter un traumatisme en plus, puisque la personne, elle n'a pas toujours une compréhension en fait de ce que c'est la psychiatrie, de ce que c'est l'hospitalisation, suivant de la culture où elle vient. Donc c'est vrai que si on arrive à arriver à une adhésion à un moment donné, même si ça prend plus de temps, c'est parfois plus facile pour arriver à un accès aux soins. En fait. Alain Mercuel, vous souhaitiez intervenir. Juste une minute sur cette question de l'hospitalisation, on n'a pas eu le temps. Effectivement, on est borné entre l'interventionnisme qui peut tuer. 50% des Diogènes décèdent lorsque on les malmène, quand c'est non préparé, urgent, etc. Bon. Donc l'hospitalisation, nous on essaie de mettre en place avec les secteurs la notion d'une hospitalisation séquentielle. C'est-à-dire qu'on propose aux SDF qu'on rencontre eh bien, un jour par semaine, une semaine par mois, 15 jours par trimestre, quelque chose comme ça, qui serait, mais on n'a pas le temps de l'aborder, mais c'est intéressant, c'est la question des directives anticipées en psychiatrie. Et qu'ils acceptent, dans un moment où ils ne sont pas à 3,80 g d'alcool ou des choses comme ça, qu'ils acceptent un programme, en fin de compte, de soins. Dire, ben d'accord, vous ne voulez pas être hospitalisé trop longtemps parce que ça vous fait perdre votre banc ou votre église où vous mendiez, etc. Mais, voilà, 3 jours par semaine ou 3 jours par mois, on envisagera cette hospitalisation pour faire le point, pour vous retaper, puis vous ressortez. Et les collègues acceptent un peu plus facilement ça que 5 mois d'hospitalisation, c'est évident. Hein, voilà.